Daisy, elle est superbe. Comment tu vas l'appeler? Oh, j'arrive pas encore à me décider. Daisy, nous avons décidé. Elle va s'appeler Adagio. Pourquoi pas Bleuette? Ouais. Ou Rayon de soleil. Ça, c'est joli. Elle s'appelle Adagio. N'est-ce pas, Daisy? Peut-être bien. Pourquoi pas Caramel? Totalement ridicule. Caramel, c'est mignon, Caramel. Quoi? Le nom d'un cheval doit exprimer l'élégance comme Adagio. Elle est tendre comme un caramel? Ouais, c'est vrai. Voyons si elle est d'accord. Caramel? Caramel! Salut, toi. Oh, salut. T'es adorable. Tu aimes bien ces noms, n'est-ce pas, Caramel? Moi, non. Un coup de chance que ce soit pas ton cheval. Daisy est mon amie et c'est son cheval. Donc, elle va l'appeler Adagio. C'est pas à toi de choisir. Pas vrai, Daisy? Caramel a décidé. Et elle a choisi Caramel. Hé, Véronica n'aime pas trop que Daisy soit d'accord avec nous. Elle s'en remettra. Ah oui, tu crois? Non, t'as raison. Aucune chance. Ma mère a fait des biscuits, vous en voulez? Je meurs de faim. Oh, pas trop de sucreries. Si tu as vraiment faim, mange plutôt un fruit, comme une pomme. Oui, maman. On pioche là-dedans? Ça marche. Oh, attention, ne mangez pas tout. Tu vois, c'est ce que je disais. J'ai faim, moi aussi. Carole, c'est arrivé avec le courrier. Merci. Ça vient de mon père. Ouvre vite. C'est quoi ça? Un tapis volant? Une couverture pour les chevaux. C'est très exotique. Oh, les dessins, j'adore. Ça vient d'où? D'Afghanistan. J'adore. Adagio. Oui, tu sais bien que c'est le nom qu'il te faut. Non, j'ai l'impression que je couvre quelque chose. Madame Reg veut nous voir tout de suite. Tu veux qu'on t'aide? Daisy s'est fait offrir un nouveau cheval que nous trouvons tous très beau, mais que nous ne connaissons pas. Alors, quelle est la première chose à faire? Il faut savoir s'il est obéissant. Oui, Carole. S'il a de mauvaises habitudes? C'est exact. Apprendre à descendre en catastrophe? Oh, c'est une vue très pessimiste de la situation, mais Véronica n'a pas tort. Donc, nous allons répéter la façon de descendre en urgence. Daisy? Il faut sortir les pieds des étriers, lâcher les rênes, se pencher en avant, faut attraper l'encolure et se laisser glisser. Et dès qu'on est sur le sol, on s'écarte. Et on court après son cheval. Madame Reg! Regardez, elle essaie de se rouler. Descente d'urgence. T'es tombée sur un cheval qui aime les roulades. C'est la première fois qu'elle le fait. Ça veut pas dire qu'elle va recommencer. Caramel est dangereuse. Ça va, arrêtez. Vous n'y connaissez rien. On dirait que ça empire.
Le nez qui coule, les yeux qui piquent et je fais pas qu'éternuer. Je tousse aussi. J'espère que t'as pas de fièvre. Carole, tu as une mine horrible. Merci. Et je me sens pas si mal à part les éternuements, la toux et les yeux qui piquent. Ça va. Tu devrais peut-être rester au lit. Une bonne soupe? Voilà ce qu'il faut. Vraiment? Hé, hey, dans ce cas, je vais t'en faire une. Lisa, ça va, je t'en ferai une pleine marmite ce soir. Je sais ce qu'il faut faire, ne t'inquiète pas. Je suis pas inquiète. Un cheval qui fait des roulades, c'est un problème. Et si ça arrivait pendant un concours? Maintenant, je suis inquiète. C'est pas la peine, je sais ce qu'il faut faire. Je peux t'aider à dresser Adagio. Tu veux dire caramel? Si tu veux. Je connais une méthode pour dresser les chevaux difficiles. C'est vrai? Absolument. Jack! Vous savez ce qu'il faut faire quand un cheval se roule? Oui, bien souvent, il suffit de le nettoyer avec un shampoing spécial. On peut vous en emprunter? Oui, bien sûr. Le shampoing ne va pas régler son problème. Mais on peut essayer. C'est une perte de temps stupide, crois-moi. Il faut essayer. Je ne crois pas, non. Je vais vous aider. D'accord. On y va. Ça devrait aller. Voilà. Il ne reste plus la moindre trace de poussière. J'espère que ça va marcher. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On l'emmène faire une balade. Bonne idée. Tu veux venir, Simon? Ouais. On peut sûrement se débrouiller toute seule. Non. Simon dit qu'une partie du problème vient du fait que Caramel n'est pas habituée à côtoyer d'autres chevaux. Simon dit ça? Oh bon, dans ce cas, faut le faire alors. Étant donné qu'il s'occupe des chevaux, depuis quand? 5 minutes. Allez, on le selle. D'accord. Et je te le répète, Adagio n'ira sûrement pas mieux. Je lui ai dit d'aller se reposer. Elle va de plus en plus mal. J'espère que c'est juste un rhume. Elle a le nez complètement bouché. Elle se gratte. C'est plus grave. Comme quoi? Une pneumonie, une bronchite. C'est peut-être qu'une allergie. Une allergie? Ouais, t'as peut-être raison. Elle va beaucoup mieux. Merci de m'avoir aidé à la laver, Simon. Dommage que vous ayez perdu votre temps. Daisy, relève-lui la tête. Quoi? Oh non! Descends d'urgence, Daisy. Enlève tes pieds des étriers. Elle est vraiment dangereuse. Il y en a assez, tu crois? Oui. Tu devrais te reposer, toi. Je voulais vous aider. On s'est demandé avec Lisa ce que tu pouvais avoir. J'ai peut-être pris froid quand on s'est fait tremper par l'orage. Mais ça remonte à loin. Je sais pas ce que c'est, alors. C'est peut-être une allergie. Une allergie? À quoi? Bah, ça t'arrive quand? Je suis bien la nuit, j'éternue pas, mon nez ne coule pas, mes yeux sont bien et je me gratte pas. Donc tout s'aggrave quand tu es ici. J'ai l'impression. Donc tu es forcément allergique à quelque chose d'ici? Ça? Non, c'est pas ça. Et ça? Non. Ce serait... Non. Quoi? Non, ce serait trop. Non, c'est pas possible. Quoi? Et si t'étais allergique aux chevaux? Non! Bien sûr que non, c'est ridicule. Dire que je commençais à m'attacher? Bien sûr. Pardon, Caramel est un cheval loyal et qui ne fait pas de roulade. Excuse-moi, mais je trouve qu'elle en fait beaucoup.
Vous vous méprenez complètement. Je vois souvent ça. On se trompe sur les gens et sur les chevaux. Tu crois vraiment ce que tu racontes? Parfois, les gens se méprennent sur moi. Ils ne voient pas que je suis une amie formidable. Et Caramel est un bon cheval. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, si tu me fais confiance, je te garantis que ton cheval va devenir fiable à 100%. T'es vraiment une bonne amie. C'est aussi ce que je crois. Regarde-moi bien. Chaque fois que je m'approche de toi, je m'écroule. C'est vraiment pas juste. Carole. Regardez-moi. Je suis malade la journée au pain creux et je suis bien la nuit au lit. Vous avez raison, je suis allergique aux chevaux. Oh, Carole, c'est terrible. On va t'aider, t'inquiète pas. On va tout faire. Oui, je parie qu'il y a un traitement. Je veux juste m'en débarrasser. Je veux pas arrêter de monter, ce serait trop dur. Oh, il ne faut surtout pas que quelqu'un apprenne ce que j'ai. Promettez-le. On promet. Mais... Oui. On promet. T'as trouvé quelque chose? Il y a écrit qu'une céleri trop sale peut être un problème. C'est pas idiot? Il faut tout nettoyer avec un produit germicide. Ça ne marchera pas. Comment tu peux en être aussi sûre? Quand est-ce que tu décideras avoir confiance en moi, Daisy? Quelle est ta solution? C'est mon secret. Il faut que tu arrêtes de compter sur des amateurs. Si tu t'adresses à moi, ton problème sera résolu. Bon, d'accord. Je te fais confiance. Salut. Salut. J'ai besoin d'un conseil. On t'écoute. En fait, voilà. Je suis pas sûre, mais je crois que Véronica mijote un truc. Oui, c'est normal. C'est vrai? Elle mijote toujours un truc. Je suis super occupée avec Midnight. Vous pourriez surveiller Véronica pour voir ce qu'elle va faire? On peut la surveiller. Si on est payé. Quoi? Payé? Problème d'eau à manger. Carole, j'ai bien réfléchi à ton allergie. Je veux pas en parler. Il faut le dire à Madame Reg et voir un médecin. Il y a sûrement un remède. Oui, faut pas approcher des chevaux. Ça, on n'en est pas sûr. Si je le dis à Madame Reg, elle m'empêchera de monter. On fera des tests, bla 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 bla. Prenez des cachets, prenez des autres cachets, mais avant tout, évitez les chevaux. Donc jamais je n'irai lui dire. Mais si jamais tu... Pas de mais. Misérable Nabon. Ne regarde pas.
Carole, à ton tour. N'oublie pas, tu te concentres pour bien évaluer les distances. C'est la priorité des priorités. Il faut que le cheval sache combien de foulées il devra faire entre chaque obstacle. Et quand il doit prendre son appui. Elle voit rien. Elle peut pas se préparer. Elle a les yeux embués. Il faut absolument qu'on le dise. Parle pas trop fort. C'est dangereux pour toi de monter. Les combinaisons étaient difficiles. J'ai remarqué que tu n'avais pas été géniale. Mais je suis pas tombée. Et en plus, je ne t'arrive même pas à la cheville. Ton problème te met en danger dès que tu es sur un cheval. Mais pourtant, des tas de gens tombent tout le temps. Carole, il faut que tu ailles voir un médecin. Arrête, t'es pas ma mère. Les filles, calmez-vous. Je suis vraiment inquiète. Tout ça, c'est grave. Faut en parler à Madame Règle. Pour la dernière fois, non! C'est la seule chose à faire. Lisa, non! Non quoi? Madame Règle, si on fait une promesse à une amie, il faut la tenir, non? Sauf s'il y a un problème de sécurité. On peut détruire l'amitié et faire très mal à son amie. Mais le secret peut lui faire encore plus de mal. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Le secret et la sécurité ne vont définitivement pas ensemble. En fait, il a senti Véronica. Oui, et qu'est-ce que vous avez vu? On serait passé à côté s'il n'y avait pas eu problème. Donc, qu'est-ce que vous auriez loupé? On pourrait peut-être le louer comme chien de chasse. Oh oui, pour poursuivre les méchants. Oui, oui, pour découvrir quoi? Que le méchant n'est jamais le suspect. Parce qu'il est traumatisé par les chiens policiers. Alors que si c'est un âne policier qui est sur sa piste... Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? On va y venir. Eh, faut te calmer, Simon. Tu sais ce que tu as fait? C'est pour ton bien. Elle m'emmène chez le docteur. Aujourd'hui. C'est dangereux de monter à cheval quand on ne voit rien. Tu vas te faire mal. Si je peux plus monter, j'aurai encore plus mal. Carole. Comment t'as pu faire ça? T'as bousillé ma vie. Il me reste plus rien. Maîtresse, plein de choses. Je te parlerai plus jamais, t'entends? Carole, Lisa a fait ça pour toi. Faut que tu choisisses, Steph. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas être copine avec toutes les deux. C'est ridicule. Moi ou celle qui tient pas ses promesses? Elle a plus besoin de moi que toi. Elle a personne. Carole, attends! Ça y est, la voilà. D'accord, on emmène Caramel faire un tour. Je garantis qu'elle se roulera pas par terre. Le médecin. Madame Rick m'a dit ce qui s'était passé. Tu as bien fait. Quand elle trotte, c'est comme si j'étais sur un manège. Elle est tellement douce. Tu étais superbe dessus. Elle n'a pas baissé la tête une seule fois. Je vous l'ai dit, j'ai toujours raison. Oh non! Non, ne roule pas! Ne roule pas! Ne vous inquiétez pas, elle a juste faim. Elle cherche quelque chose à manger.
T'as raison. Si un cheval doit se rouler par terre, c'est Garnett. Quoi? Non! Enlève tes pieds des étriers, Véronica! Descends d'urgence! Dépêche-toi! Je suis trempée maintenant! C'est dingue, c'est Garnett qui fait des roulades! Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà le coupable. Du poil à gratter juste sous la selle. Comment c'est arrivé là? C'est un grand mystère. Je suis bien allergique. Tu avais raison, Lisa. Je suis désolée. Au chameau! Au chameau? Il n'y a pas de chameau, Pincreux. Ça vient de la couverture que mon père m'a envoyée. Elle est en poil de chameau, donc je peux monter autant que je veux si je mets pas cette couverture. C'est une grande nouvelle. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. J'étais hyper fâchée. C'est pas grave. Je suis tellement contente pour toi. Je t'ai acheté ça. Pas de marguerite. Je suis allergique aux marguerites. Oh, pardon. Je savais pas. Donc, si le poil à gratter était le problème, comment ça peut passer d'un cheval à l'autre? Bah, en sautant peut-être. Les puces sautent, Véronica. Mais le poil à gratter, je crois pas. Sauf si ce sont des poils à gratter qui ont appris à sauter. T'es au courant, Véronica? Je ne suis pas une spécialiste en tout. Maintenant, vous permettez, j'aimerais poursuivre ma lecture. Zigzag!